La fenêtre est ouverte sur un morceau de feu glauque que j'épluche à voix basse. Je pense à celle qui, un jour de grand voyou, me dit « Il faut toujours rester bleu-vert. » Si vous voyez passer un taille-crayon devant votre porte, faites trois fois le tour du cadran et allongez-vous sur votre ciel écarlate. Car le chocolat rond est là qui songe en relief à la mort du petit Rhône. Et c'est regrettable. Un clairon perpétuel longe le point mort de silences élastiques. Le brouillard danse sur une musique au futur antérieur. Pas un ciel ne sort à cette heure du matin étranglé. Quelqu'un, pourtant, semble chercher sur les fenêtres singulières une foule de vertiges teintés.
Le feu tremble goutte à goutte sur un vieux ciel désabusé. Les corbeaux, un à un, s'écrasent sur le sol permanent. Les maisons crépitent pour donner la réplique au feu. Les étoiles se sont éteintes pour écouter leur ciel leur dire son souvenir. Pour écouter les flammes leur parler de misère. Et quand ces flammes auront poussé leurs cris de sang pour chasser un vide noir et chaud, applaudir à la mort de ses doigts calcinés. Est-ce vous qui avez tué Jules? Dans laquelle... Dans la tête duquel on trouva un temps mort? Mais j'ai rencontré Jules, et il m'a raconté comment cela s'est passé. Jules était un nuage, il habitait là-bas. Or, il a plu. Adieu, tout ce qu'il pleut sur terre. Il a vu, m'a-t-il dit, son sang le rattraper et l'envelopper comme un habit de fête éteinte. Tandis qu'un robinet d'éternel, sans doute mal fermé, coulait dans ses veines. Puis Jules se tut et mourut à nouveau, car il était absent. C'est depuis son départ que dans un coin du ciel en bas à droite, on trouve une signature. Jules. Mais qui a tué Jules ?